Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à tous sur Gabon News. Touche pas à mon président, c'est le slogan que scandaient les militants du Parti démocratique gabonais de la province du Haut-Ogooué qui ont tenu à exprimer leur attachement au président de la République peu de temps après la sortie du livre de Pierre Péan. La province du Haut-Ogooué, ses militants et cadres politiques ont organisé une marche de soutien, c'était le week-end dernier, en présence de Kenny Ngouri et de Justin Bitégué. Ils ont répondu par milliers à l'appel du Parti démocratique gabonais. Venus de divers coins de la province, ils ont battu le bitume pour dire ensemble « touche pas à mon président ». Cadres, vieux et jeunes ont arpenté les artères de Franceville, mais dans la main, comme un seul homme, et dans une unité certaine pour les acteurs du jour. Du haut de cette tribune, plusieurs voix se sont élevées pour dire « stop, touche pas à Ali Bongo ». Comment ceux-là qui nous ont appris à comment nous comporter, à comment nous conduire, à quoi dire lorsqu'on est en public et en famille, comment ceux-là peuvent-ils se permettre aujourd'hui de dire le contraire de ce qu'ils nous ont appris, de ce qu'ils nous ont enseigné hier? Se sont-ils trompés? J'en doute. Ont-ils changé? J'en doute. Par quoi sont-ils habités? Je ne sais pas. Ici, chers compatriotes, disons-le ici. Envoyons un message à ces gens, parce qu'ils nous ont provoqués. Ils ne se sont pas attaqués à Yali sur le domaine politique. On aurait laissé les choses se faire. Mais ils l'ont attaqué sur une valeur fondamentale, la valeur de famille. Mais on aurait pu dire, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je vous remercie. Nous sommes rassemblés ce jour, à l'occasion de cette grande marche, pour manifester notre soutien à un homme, Ali Bongo Ondimba, natif de cette province, digne fils du Gabon, et qui, grâce au suffrage de ses compatriotes, incarne depuis 2009 la première institution de la République. La marche des militants du Parti démocratique gabonais dans la province du G2 relevait d'un exercice de force et d'une démonstration de l'attachement indéfectible de la province au parti d'Omar Bongo Ondimba. Cette marche est la réponse d'une cabale politico-médiatique créée autour des révélations de Pierre Péan et sur un certain nombre d'allégations sur la personne du président gabonais, jugée infondée par les militants de cette formation politique qui compte bien apporter la preuve du contraire. Le mausolée Omar Bongo Ondimba, ouvert au public, c'était le week-end dernier à Franceville, la capitale de la province du Haut-Ogooué, qui a reçu plusieurs personnalités politico-administratives, militaires, civiles et religieuses pour l'inauguration du mausolée. Ce joyau architectural comporte, entre autres, la tombe d'Omar Bongo Ondimba, une mosquée, une bibliothèque et s'étend sur 6 500 m². Kenny Ngouri, Justin Bitégué. La capitale du Haut-Ogooué a accueilli des personnalités du monde à l'occasion de la cérémonie de présentation et d'inauguration du mausolée Omar Bongo Ondimba de Franceville. Le défunt chef de l'État, décédé il y a 5 ans et qui repose désormais dans ce joyau architectural qui s'étend sur 6 500 m². La jeunesse représentée à cette célébration garde le souvenir de l'œuvre de ce grand homme. Le vivre ensemble dans la paix était sa boussole. Paix sans laquelle tout le monde s'accorde à le dire d'ailleurs. Aucune œuvre n'est possible, encore moins pensable. Au titre d'intervention, des proches collaborateurs du président défunt et membres de la famille se sont relayés sur la tribune dans des discours remplis d'anecdotes et parfois chargés d'émotions. Il nous revient alors à tous de faire nôtre les valeurs qui furent les siennes, de faire vivre la mémoire de Omar Bongo Ondimba, car il appartient à l'histoire du Gabon. Il appartient aux lumières jamais éteintes de notre imaginaire collectif, de notre identité, de notre orgueil national. Et à papa, tu te demandais quand tu as inauguré le mausolée de feu président Léomba, est-ce que mon successeur fera, qu'est-ce qu'il fera pour moi après ma mort? Papa, Ali, ton successeur a fait le nécessaire. Au plus mal de la douleur, il nous disait, je veux retrouver mon père. Et je sais qu'il a retrouvé son père. Au nom du gouvernement, le Premier ministre a dit sa satisfaction de voir ce projet, longtemps considéré comme un éléphant blanc, prendre forme et inaugurer ce jour. Monsieur le Président de la République,
je souhaiterais, à l'entente de mon propos, vous adresser au nom de l'ensemble du gouvernement et au mien propre les plus vives et chaleureuses félicitations pour avoir tenu vous-même, avec abnégation, à faire achever dans les délais cette magnifique œuvre. Il faut rappeler que la date d'inauguration du mausolée Omar Bongo Ondimba rappelle également le jour de son accession à la tête de l'État, c'était le 2 décembre 1967. Bâti donc sur une superficie de 6 500 m², ce monument dispose d'une mosquée, comme je le disais tantôt, d'une église, d'une bibliothèque et d'un musée où seront présentés certains objets personnels de l'ancien président Omar Bongo Ondimba, un espace d'histoire et de culture. Nous retrouvons Justin Bitégué. Le complexe qui abrite le mausolée Omar Bongo Ondimba a un espace de 6 500 m², dispose d'une mosquée, d'une église, d'une bibliothèque et d'un musée où seront présentés certains objets personnels de l'ancien président, parmi lesquels le collier qu'il a abordé le 2 décembre 1967 lors de son accession à la magistrature suprême. L'espace dans lequel nous vous recevons aujourd'hui est un complexe de 6 500 m². C'est un lieu d'histoire, de culte et de culture. L'espace mausolée de son excellence le Hadj Omar Bongo s'organise autour d'une place centrale essentiellement minérale et agrémentée de bassins. Elle est délimitée par un musée dédié à la mémoire du défunt et par une bibliothèque. Cette place constitue un espace intermédiaire qui nous canalise dans un parcours ascendant et progressif vers le sommet, là où s'implante l'édifice principal, le mausolée. Ce bâtiment particulièrement ouvragé est volontairement conçu en hauteur et couronné exclusivement par une coupole. Il surplombe ainsi frontalement l'esplanade et latéralement une mosquée édifiée en contrebas. L'ensemble mausolée-mosquée est défini en tant que tel par le biais d'une composition d'arcades, galeries et de patios. Par ailleurs, la référence à l'architecture arabo-musulmane d'une manière générale étant le sujet majeur sur le plan du style, nous avons opté le long de notre réflexion pour un caractère revisité, épuré. Un espace d'histoire et de culture, conçu selon celui-ci avec les caractères révisés et épurés. Cette date de présentation n'a pas été choisie au hasard, puisque s'il s'est éteint le 8 juin 2009, il a pris le pouvoir en tant que président de la République gabonaise le 2 décembre 1967. Voilà, c'était là l'essentiel de l'actualité du jour. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information est en continu sur votre site www.gabonnews.com. Au revoir et à demain.